Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les gars, comment allez-vous déjà d'une? On se retrouve dans une vidéo où un début qui n'est pas là comme d'habitude, qui n'est pas là où je me pose sur mes tabourets d'ailleurs qui ne tiennent plus debout. Enfin bref, cette vidéo vous l'avez vu dans le titre, je vais tester pour la première fois grand frais. Je n'ai jamais été à grand frais et beaucoup de personnes autour de moi m'en parlent, donc il fallait vraiment que je teste. Pour ça, je vous ai fait un sondage sur Instagram. Si tu ne me suis pas encore une fois sur Instagram, let's go here. Vas-y. Donc voilà, du coup, vous m'avez dit un peu ce que fallait que je... Bagat. Déjà que le son avec l'iPhone ne doit pas être terrible. Si en plus, tu fais du bruit, ça va le faire. Merci. Donc du coup, vous m'avez un peu dit ce qu'il fallait prendre. Donc on va directos aller à grand frais prendre ce qu'il faut. Et j'ai hâte de voir même genre l'environnement de grand frais, enfin comment ça va être à l'intérieur, tu vois. Bref, c'est parti, on va commencer le début de sa nouvelle vidéo. Ah, j'ai pas ma deuxième main pour taper. Je n'arrive pas à filmer en dehors de chez moi. J'ai, mais comme je vous ai montré, je suis genre un peu trop gênée. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Je suis pas encore à l'aise de ouf, alors que j'aimerais. À chaque fois que je suis dans ma voiture, je me dis ah mais je vais leur faire tel plan, tel plan. À chaque fois, je me fais plein de plans. Encore une fois, du coup, dans ma tête, mais je n'arrive pas à filmer en dehors de chez moi. Pourtant, les gars, j'essaye. Je vous jure, j'essaye de sortir de ma zone de confort, mais je n'y arrive vraiment, vraiment pas. En parlant de sortir de la zone de confort, alors je vais d'un sujet à un autre, mais j'ai très envie de partir en voyage solo. Genre, j'ai envie de partir à Paris solo. Mais dites-moi si vous avez eu des expériences comme ça, à partir seule en voyage. Bon, ça serait pas non plus énormément de temps, ça serait genre une semaine. Mais j'aimerais bien faire ça pour justement sortir de ma zone de confort. On va passer à notre sujet principal qui est grand frais. Comme je vous ai dit et je vous redis, je n'ai jamais été à grand frais, donc pour moi c'était une première. Donc en fait déjà t'arrives et en fait c'est vraiment comme si t'étais au marché. Moi j'avais un peu cette idée, enfin cette image, parce que j'ai habité Menton quand j'étais petite, cette image du marché de Menton. C'est un genre de grand marché, je vous mets un peu des photos là, avec justement plein de légumes, plein de petits artisans, etc. Bref, et donc grand frais, ça m'a fait grave penser à ça. Franchement, 70% de leurs trucs, c'est les légumes. Et apparemment, j'en ai entendu parler de leurs légumes, c'est vraiment de la bonne qualité. Moi, je les ai pas testés aujourd'hui parce que flemme. Par contre, il y a des choses que je ne trouve pas. Par exemple, moi, je m'étais dit, ah bah tiens, il me manque des glaces, genre des sneakers, ma fille, des sneakers. Et bah tu vois, il n'y a pas de glace par exemple. Il y a plein de trucs qu'il n'y a pas, mais par contre, il y a une diversité de poissons, de viande, de fromage, de légumes impressionnante. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. La première chose que vous m'avez dit, et qui, je crois qu'une personne sur trois me disait ça, c'est la burrata à la truffe. Mademoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des, un mec fidèle qui n'a pas peur qu'on aime. Donc si quel critère, babe, c'est ton email. Burrata 4,29€, mais c'est de la burrata à la truffe les gars. Donc déjà quand tu ouvres le truc les gars, j'ai encore les doigts qui sentent la truffe. Elle est mais magnifique. Regardez comme elle est moelleuse. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ça va être coulant à l'intérieur, laisse tomber. Et elle sent super bon. La burrata c'est vraiment mon truc préféré de l'été. Et là à la truffe en plus, ça va être délicieux. Allez, nous goûtâmes. C'est parti, si j'y arrive. Non mais elle est délicieuse, elle est. On dirait que je la prends en Italie directement. Elle est, mais méga bonne. Un délice. La truffe, elle se sent tout en délicatesse, tu vois. Et c'est pas trop présent, et c'est genre juste magnifiquement bon. Je lui donne un 10 sur 10, les gars, ça commence super bien. Une abonnée m'a dit de la Lumi. Et il me semble que sur une vidéo, c'était le test Lidl d'Italie, un truc comme ça. Et il y avait ça dans un petit pot en céramique. Par contre, eux, ils le chauffaient. Mais là, derrière, il y a marqué que tu peux le faire au barbecue, au four, à la poêle, râpé ou frais. Donc franchement, on va pas se casser la tête, on va le prendre frais, on va l'ouvrir frais, on va le manger frais. Where is the halloumi?
5,99€ quand même, hein. De visu, ça donne pas de ouf envie, mais bon. Non, c'est bon. C'est hyper salé. Oh, c'est du lait 100% de brebis. C'est super bon, mais je pense que je le préférerais genre au four ou à la poêle ou par-dessus un truc, tu vois. Genre pas tout seul, ou alors comme ça, mais en apéro. Une autre abonnée m'a dit qu'il fallait tester, alors je crois que c'est ça, le Briga au Savarin IGP. C'est un fromage de Bourgogne, du sud de la Bourgogne. Ok, mais je veux juste savoir ce que c'est. Bon, ils disent qu'avec du vin, c'est encore meilleur, mais bien sûr, tous les fromages avec du vin, c'est meilleur. On va goûter, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est de la vache. J'ai pas trouvé. Les 500 grammes, 5,40€, hein, ça va. Hein. Mais en fait, je sais pas si c'est entre le brie et le camembert. Je me demande. Vous connaissez, vous? Bon, moi j'aime bien quand même les fromages de manger un peu sans pain, et je varie les plaisirs en mettant du pain. Mais pour avoir le vrai goût, je vais y aller, hein, je vais le manger, vous inquiétez pas. Mais pour avoir le vrai goût, je mange ça sans pain. Pour moi, c'est un brie. Pour moi, c'est un caprice des dieux. Oh, c'est vraiment sympa. Hein. Je pense que c'est de ça que ça a inspiré le caprice des dieux. Et franchement, testez-le si jamais. Je donne une note de 9 sur 10. Alors là, c'est pas vous qui m'avez dit, mais on reste dans les fromages. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, teste les fromages. Du coup, bah ok, on va tester les fromages. Et là, j'ai trouvé un truc, les gars. Du gorgonzola à la louche. Alors là, j'ai pris le galet doux, pure brebis. Donc c'est un fromage de brebis. Oh là là, oh, c'est bizarre. Oh, tu sais que j'ai l'impression que ça sent le fromage comme si t'allais le chercher à la ferme. Donc ça ressemble à ça à l'intérieur. Donc encore une fois, visuellement, on dirait peut-être un camembert. Mais ça sent vraiment la brebis de malade. On goûte. Merci. C'est tout doux. Et ça, c'est la brebis, de toute façon. C'est sympa. Voilà. On n'ira pas dire que c'est génial. Mais c'est sympa. C'est quand même un petit 8 sur 10. Franchement, je vous avoue, c'est assez bon. Ensuite, j'ai trouvé Sensation truffe d'été. Donc ça, c'est un fromage à base de mélange de fromage, ok, et de truffes d'été. Donc ça, je l'ai payé 5,29€. Oulala, oulala, mais Gusta Bailal. C'est super bon. La truffe, tu la sens, mais légèrement. Et elle sent, en plus, tu la sens un peu croquée. La texture du fromage, je la trouve vraiment cool parce que c'est tout tout mou, on dirait pas, mais c'est vraiment super mou. Donc c'est vraiment sympa. Je mettrai un petit 8 sur 10, un petit entre guillemets, parce que juste c'est un mélange de fromage, donc on sait pas trop ce que c'est. On va passer à mon fave de fave. Oh, il sent méga bon. Non mais je sais pas si vous arrivez à voir ça là. Mais ça les gars, à la cuillère on y va les gars. Je suis en pur plaisir bonheur là. En fait je pense que le concept de grand frais, en vrai faut juste que je regarde sur internet, mais en soi, pour moi, dans ma tête, c'est ça, c'est vraiment utiliser des produits frais de n'importe quel truc, que ce soit du poisson, de la viande, des pâtisseries, enfin non, il n'y a pas de pâtisserie, mais genre, tu vois, tout ce qui est yaourt, fromage, légumes. Moi, vraiment, c'est vraiment un grand marché en mode supermarché. Et du coup, ça se ressent vraiment dans leurs produits, parce que autant tu goûtes la burrata, autant tu goûtes le gorgonzola, autant tu goûtes les autres trucs que je sais plus le nom, et ben, c'est frais et t'as l'impression de le sortir de la ferme, quoi. Tu vois, vraiment, ça a un autre goût que les trucs que tu as en grande surface. On va passer au côté un peu apéro. Alors, pour le côté apéro, j'ai une amie à moi qui m'avait dit il faut que tu testes donc déjà tout ce qui est de la gamme un peu apéro, parce que c'est pas ce que tu trouves en supermarché en général, mais aussi les tartinades. Oh, j'ai fait 3 fois le tour, j'ai pas trouvé les tartinades. Donc tout d'abord, j'ai pris des cacahuètes. Comme ça, les gars. Les cacahuètes. Alors, attends, je crois qu'il y a 500 grammes. Il y a 300 grammes, les gars. 2,19€. C'est vraiment pas cher. Il y a des petites spécificités que je ne connais pas. Donc ça, c'est aille et fine d'herbe. Et ça, c'est thaï. Il y en avait un autre, c'était mexicain. Mais bon, ça, je me suis doutée que ça allait être paprika. Bon, bah, j'ai ouvert le sachet comme une grosse merde. Je vais devoir le mettre dans un tupperware après. C'est génial. Ça sent bon. Ah, c'est sympa. C'est sympa parce que je pensais que ça allait être, ça allait être lourd comme saveur, mais en fait c'est hyper léger. Donc ça c'est taille. Ah j'aime pas. Ah j'aime pas. Non mais vous savez pourquoi j'aime pas? Parce que c'est des épices bizarres. Cumin, coriandre, ail, gingembre, piment, cannelle. La coriandre et la cannelle je déteste. Le cumin c'est moyen. Ouh le cumin c'est moyen, vous savez qu'il est tard et donc je fais des petites rimes d'amour. Même si j'aime pas moi personnellement, c'est quand même validé. Pour les cacahuètes, franchement, c'est 9 sur 10 par rapport au prix, la qualité du truc, je suis désolée, et la quantité. Il y a deux dernières choses, c'est déjà les mousses au chocolat. Alors,
pareil, c'est comme la burrata à la truffe. Vous êtes une personne sur trois, même deux personnes sur trois, à m'avoir dit la mousse au chocolat, la mousse au chocolat. Donc du coup, je ne savais pas quelle mousse au chocolat. Du coup, j'en ai pris trois différentes pour tester les trois. Mais par contre, à quelle heure tu nous fous ça en mousse au chocolat? Mais bien sûr que je vais t'acheter si tu te présentes dans un pot aussi joli. Parce que ça, tu vois, je me vois bien avec Antoine, on adore faire ça. On aime bien s'acheter des gros pots. À l'époque, on faisait ça avec Michel et Augustin. Tu sais, on s'achetait les gros pots de mousse au chocolat. Et on se mangeait ça tous les deux comme ça, une cuillère chacun, devant la télé. Et donc ça, je me suis dit, ah mais oui, Antoine il va kiffer, on va se mettre devant la télé avec notre petite mousse au chocolat. Donc voilà, du coup j'ai acheté celle-ci, j'ai acheté la Hulotte et la dernière, pour varier les plaisirs, celle-ci. Et du coup les trois ont un prix différent, mais je me demande si celle-ci c'est pas la même que celle-ci. Ça c'est mousse au chocolat à l'ancienne et ça c'est mousse au chocolat au lait. Celle-ci, je l'ai payée 5,69€, c'est quand même vraiment pas cher, il y a 400 grammes. Celle-ci 2,49€ et celle-ci 1,39€. La moins chère, on va goûter en mousse, c'est parti. Elle est magnifiquement bonne. C'est la moins chère les gars. Je m'attends au pire pour la plus chère. Alors la deuxième. Alors elle est différente parce qu'en fait, tu sens vraiment le chocolat noir, tu vois. Mais ça c'est normal parce que c'était au chocolat au lait. Du coup c'est juste ça la différence, c'est que c'est au chocolat noir. Mais elle est vraiment très bonne aussi. Alors après je pense que c'est parce que c'est la première, j'ai eu un petit coup de cœur, j'ai mis 10 sur 10, là je vais mettre 9 sur 10. Oh, mamma mia, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh ça sent bon, ça sent bon. Incroyable. T'as l'impression, je sais pas si j'ai plein de chocolat autour de la bouche, mais bref c'est pas grave. T'as l'impression que c'est la mousse au chocolat que ta mère elle vient de faire. Ça a pas du tout le goût artisanal. Ça c'est comme si toi tu l'avais faite. Elle est maxi bonne. Je mettrais même un 20 sur 10 tellement c'est bon. On peut dire que c'est une grande découverte, c'est une grande réussite. Il y a vraiment de bons produits de bonne qualité. Par contre ce que j'ai pas regardé c'est la provenance des légumes. Mais bon ça m'étonnerait pas que ça soit du français quand même, parce que là sur tous les fromages qu'on a eu c'est quand même du purement français. Il y en a même un, c'était de la fromagerie de Nice carrément. Donc pour moi normalement ça va être du français, mais on est vraiment sur une réussite de ouf. Et merci pour cette découverte. Ah merci de m'avoir donné des petites idées. Et puis voilà les gars, n'hésite pas à t'abonner parce que là ça y est on commence à être de plus en plus, donc je suis super contente. Et voilà les gars, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous. J'ai pris un peu l'accent niçois, marseillais, bizarre là. J'ai pas d'accent les gars, désolée.